Hey, comment ça va la famille? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très très bien là aujourd'hui. Très très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Et là c'est du lourd, oui je veux vous dire que c'est du très 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 lourd les gars. J'ai eu une idée de malade, ouais ouais. En ce moment vous savez très très bien qu'on expérimente nos jumeaux démoniaques. Et ben oui, encore aujourd'hui j'ai carrément eu l'idée de confronter Sim Spooky à son jumeau démoniaque. Ça peut être vraiment vraiment très très intéressant. Allez, vous savez quoi, je vais directement monter jusqu'à sa chambre. D'ailleurs il doit encore et encore être avec son gros casque de gamer en train de jouer aux jeux vidéo pendant toute la nuit. Ça, ça change pas d'habitude, hein. Allez, voilà, regardez, je me trouve juste en face de la porte de la chambre de Sim Spooky. Allez, Sim Spooky, Sim Spooky. Ah bah oui, il doit pas m'entendre, il doit être encore sur ses jeux vidéo. Allez, allons-y, allez, rentrons. Hey, Sim Spooky, Sim Spooky. Oh bah regardez, je vous le disais, je vous l'avais dit les gars. Eh oh, oh, Sim Spooky. Oh, Sim Spooky! Hey, mais mec, fais pas de trucs comme ça, t'es sérieux ou quoi? Oh, mais mec! Tu m'as fait super peur! Mais mec! Hey, refais pas de choses comme désolé, ça! Désolé, hein. Attends, hey, qu'est-ce qu'il y a? J'ai quelque chose à te proposer! Ouais, quoi, mais quoi? Vas-y, dis-moi! Qu'est-ce que t'as à me proposer? Viens. Tu peux me suivre, tu peux me suivre! J'ai quelque chose de très très intéressant à te proposer, hein! Ah ouais, mais t'as quoi à me proposer? Bah, vas-y, dis-moi! Bah écoute, en ce moment, on expérimente beaucoup beaucoup les jumeaux démoniaques, tout ça, tout ça! Et j'ai carrément eu l'idée de tester avec toi! Ouais, oui, avec toi carrément là! Contacter ton jumeau démoniaque! Mais d'ailleurs, et comment ça marche? Est-ce que tu peux m'expliquer un peu là? Ben c'est simple en fait. Il faudrait tout simplement appeler son propre numéro de téléphone. J'ai déjà essayé, ça cartonne mais... Oh non, mais si c'est aussi simple que ça, bon bah autant essayer. Allez, vas-y, viens, on va au salon. Il est 3h du matin les gars. J'ai pas choisi cette heure là au hasard les gars. Et oui vous le savez, c'est uniquement à cette heure précise que ça fonctionne. Mais mec, je comprends rien. Si c'est pas moi qui réponds, qui va répondre à ma place? Je comprends pas trop non, là mec. C'est ce que je t'explique depuis le début. Ça va être ton jumeau démoniaque qui va répondre. Tu sais quoi, pour commencer doucement, on va tout simplement juste envoyer des messages. Ouais, okay, voilà. Ok, vas-y, ok, vas-y. Ok, j'envoie salut, voilà. Voilà, ouais, tranquille. Allez, vas-y, moi je te suis de facile, toute façon. Facile. Oh, tu penses que ça va répondre ou pas? Si c'est pas moi qui réponds, qui va répondre à ma place? Oh mais Sim Spooky, tu comprends rien. Je vais pas t'expliquer 10 fois. De toute façon c'est envoyé les gars, vous le voyez juste là maintenant. Et regarde, regarde là. Tu vois, vous le voyez, vous le voyez les petites bulles là? Ça veut dire qu'il est en train d'écrire. Attends mais comment c'est possible mec? C'est pas moi qui écris là, et puis en plus t'as mon téléphone dans les mains. Mais ah là 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 là, c'est ton jumeau démoniaque. Mec, c'est pas possible là ton truc là. Mais, non. Tu le vois bien, tu vois bien. Ça y est, ça a répondu. Quoi? Ça a répondu, gros. Donne-moi mon téléphone et je peux pas le croire là. Mais mec, mais attends, et tu sais quoi, moi je viens de lui envoyer un message là. Ça me plaît pas trop cette affaire là. Vas-y. Attends. Et t'envoies quoi? Qui es-tu? Okay. Voilà, attends, j'envoie. C'est moi qui envoie. Ok, tranquille, vas-y. Hop là, ça y est, j'ai envoyé. Ok. Mec, ça s'arrête pas, gros. Regarde, il est encore en train d'écrire, hein. Mec, encore en train d'écrire, non mais là, franchement, là je suis choqué. Attends. Mec, ça a répondu. Quoi? Regarde. Oh non. Regarde ce qu'il écrit. Non, mais là-bas, mec, regarde. C'est moi, Simon. Quoi? Non mais mec, c'est pas possible. C'est moi, Simon. Je comprends pas là, avec ton affaire là. Attends. Mais c'est ton jumeau démoniaque là. Essaye de le comprendre. Alors t'inquiète, moi, tu vois, Robtech, j'ai une idée. Ah, ouais, voir vraiment si c'est mon vrai jumeau démoniaque. Vas-y. C'est quoi ton idée? Je vais lui poser une petite question. Ouais. Je peux pas y croire à cette mascarade. Attends. Ouais. Laisse-moi faire. Attends. Est-ce que vous voyez très bien? Attendez. Vous voyez bien ma couleur de mes yeux là? Ils sont bien marrons, hein. On est d'accord. Ouais, hein. T'as les yeux marrons. Oui, t'as les yeux marrons. Alors tu sais quoi? Je vais lui demander la couleur de ses yeux et on verra bien ce qu'il va répondre, hein. Vas-y, c'est okay. Vrai. Ah, c'est une bonne idée. C'est vrai que c'est une bonne idée ça. De tes yeux. Voilà, hop là, envoyé. Allez, tiens, vas-y. Ok. Bon, et ben, on attend de voir. Et mec, attends, il est en train d'écrire, je crois. Ouais, ça écrit. Waouh, ça a déjà répondu. Waouh, attends, il a dit quoi? Marron. Oh non! Mais je t'avais dit, gros! Oh non! Mais mec, c'est ton jumeau démoniaque! Mec, là, tu sais quoi maintenant? Je vais lui demander combien il mesure au niveau de la taille. Vas-y. Allez, pour voir si c'est comme toi. Vas-y, bonne idée. Non, mais c'est une bonne idée. Combien tu mesures? Ouais. Là. Ok. Tac. Allez, ça y est. Je viens d'envoyer. Mec, t'es encore en train de nous ramener dans des problèmes, toi, là. Ça a déjà répondu. Regarde. Quoi? Attends, il a répondu quoi, là? Je vois pas. 1m78. C'est comme toi? Oh non, mais c'est comme toi. Mais mec, c'est comme moi là. Non, okay. J'ai une idée. Est-ce qu'on l'appellerait pas en FaceTime?
Non. Mec, si, si, gros. Non, non, si, non, si, non si, moi si. Je veux surtout pas qu'on l'appelle. Si on l'appelle là en FaceTime, là tout de suite, on va vraiment, vraiment savoir si c'est ton vrai jumeau démoniaque. Ah ouais, c'est vrai que t'es pas bête, toi. Ben ouais, ouais, gros. J'y avais pas trop pensé. Bon, vas-y, allez, lance ton appel là, vas-y, fais ton truc. Bien sûr. Allez, bah je rigole pas, moi j'envoie vraiment un appel en FaceTime. Hein. Regarde les gars. Regardez les gars. Mais ça connecte, gros, ça connecte. Yeah, yeah, yeah. Oh là là, allô mais non, mais non. Allô, 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 allô. Allô, ça me fait plaisir que tu m'appelles. Oh, hey, allô, attends, t'es qui? Attends, juste, t'es qui en fait? T'es qui là? C'est moi, c'est Simon. Ah bah oui, c'est moi. Non, sérieux, t'es qui? Non, sérieux. Bah c'est moi, c'est Simon. Bah ouais. Mais, quoi? Oh, mais non, mais c'est trop une dinguerie là. Comment c'est possible là? Vas-y, là, dis-moi. Si, c'est possible. Je suis ton jumeau démoniaque. Oh, mais c'est inimaginable là, mec. C'est trop une dinguerie là, mec. C'est vraiment ton jumeau démoniaque. Mais non, mais j'arrive pas à le croire. Allez, vas-y, dis la vérité. Non, t'es pas vraiment moi. Vas-y, allez, dis la vérité. Eh, c'est sérieux. Eh, dis la vérité. En vrai, dis la vérité, hein. Bien moi. Ok, vas-y, toi c'est bon, je vais t'avoir. Alors, petite question comme ça, qu'est-ce que je fais dans la vie? Allez, vas-y, réponds. Bah, moi, je fais plein de vidéos sur YouTube. Ouh. Avec mon frère RobTech. Oh non, mais what, mec? Et toi là, où t'habites là? Allez, vas-y, dis-moi, vas-y. Vas-y, réponds. Eh bah, ben moi j'habite. Gros, c'est ça! Mais clairement non, ça, mais gros! Mais il a clairement dit l'adresse et tout! Ouais. Attends, mais mec, donne-moi le téléphone et je te crois pas, je te crois pas! C'est un prank, c'est encore un coup monté! Non, je te crois pas! Ouais, attends. Eh bah, je crois que tu veux pas me croire, hein! Eh bah, tu sais quoi? Je vais venir! Eh oui, oui, oui! Attends, il va venir! Eh mec, là, tout de suite là! Tout de suite là! Allez, allez! Bien sûr que je vais venir tout de suite! Hein, et je vais pas venir pour rien, vous inquiétez pas, hein. Allez. Quoi? Comment ça? Il a dit qu'il va pas venir pour rien, c'est ça qui fait peur. Non, mais attends, est-ce qu'on raccroche? Vas-y, raccroche. Les gars, j'ai carrément raccroché, hein. Ça y est, j'ai raccroché. Non, hein. Mais là, attends, mais est-ce qu'il peut vraiment venir là? Ouais, en vrai, bah, bien sûr qu'il peut venir. Moi, en tout cas, là, pour l'instant, j'y crois pas parce que j'ai pas de sosie, j'ai pas de jumeaux. C'est bizarre ton affaire là. Non, les Sims Spooky, tu comprends pas en fait, c'est ton jumeau démoniaque. Écoute, tu verras bien. Moi, j'arrête de parler et tu verras. De toi-même, hein. Allez, tu peux me le dire, dis-le moi. J'en suis sûr que c'est un prank là que t'es en train de me. Attends, mais c'est quoi ça? C'est la sonnette ça que j'ai entendu? Ça a sonné là. Chelou ton truc, c'est en train de m'embêter. Vas-y, moi j'y vais. Va voir, tu verras. Moi je suis en bonne, hein, vas-y, c'est bon, vas-y. t'inquiète pas là, moi ça me fait pas peur là ton truc là. Attends, vas-y. Je vais ouvrir la porte. Ok, bah mec, mais y'a rien du tout. Oui, y'a rien. Y'a quelqu'un? Eh oh, y'a quelqu'un? Mais mec, t'es encore en train de me jouer un mauvais tour là. Allez, ça y est, RobTech, je t'ai cramé. J'en suis sûr que c'est un mauvais tour que t'es en train de me jouer là. Vas-y, dis-moi. Non, alors là, je te jure, t'as ma parole, Sim Spooky. Y'a zéro blague, y'a zéro prank. Je te jure que c'est vrai. Gros, c'est sérieux ça ou quoi? C'est quoi le délire là? Oh non, mais c'est une blague ou quoi? Non, mais c'était qui encore là? C'est ton jumeau démoniaque. Non, arrête, si, non. On l'a vu, on l'a bien vu. Tu peux pas le dire. Non, mais on est enfermé, je crois là. Mec, t'as raison, on est carrément enfermé. Ouais, la porte ne s'ouvre pas, mais comment on va faire du coup? C'est ton jumeau démoniaque qui nous a enfermé. Je crois que t'as raison, hein, c'est vraiment mon jumeau démoniaque, je crois, hein. Allez, bah maintenant on est obligé de faire le tour du jardin, on passera par la baie vitrée. Allez, viens, vite. Je te suis, vas-y. Non, mais mec, ça veut dire qu'il y a vraiment mon jumeau démoniaque dans la maison, hein. Mais oui, gros, c'est sûr. Viens, au niveau de la porte-fenêtre, on va voir s'il est vraiment là. Vas-y, regarde. Par la fenêtre. Non, je vois rien, y'a personne au salon. Gros, y'a rien du tout au salon, hein. Oh, attends, mais ça veut dire qu'on peut peut-être rentrer dans la maison tranquillement, quoi. Attends, vas-y, on va rentrer. Vas-y, on va tenter. Okay, vas-y, on y va doucement, on fait attention. Fais la porte. Vas-y. Let's go. Vas-y, viens. Y'a quelqu'un par ici? Eh, si tu es là, mon jumeau démoniaque, allez, hein, réponds, hein. Dis-moi si tu es dans cette pièce, dis-moi, vas-y. Mec, t'es un prank, c'est un prank ou quoi? Attends, là, mec, dans les escaliers. Eh bah oui, c'est toi que je cherchais. Tu tombes à pic. Approche. Et t'inquiète pas, moi ce soir, je suis vraiment pas venu pour rien, hein. viens là, vas-y. Oh là là, RobTech, là, tu viens de me mettre dans les problèmes là. Et toi là, tu fais partie du camp du bien et moi du camp du mal. Et ça, c'est incompatible. Je dois t'éliminer. Viens là. Non, je suis foutu, il veut ma peau. Vite, on s'en faut partir. On peut partir, vite, par de là, Simon. Vas-y.
Regarde, regarde là, regarde au niveau de la fenêtre. Regarde. Il est là, il est là. Où êtes-vous? Allez, dites-le moi. Allez, bon, allez, bon, il est fini. Viens, on se cache. Oh non, 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 mec. Il nous veut vraiment du mal, hein. C'est trop une dinguerie. Oui. Viens, on va se cacher derrière les murets. Ça sera plus prudent. Vas-y, là-bas. Non, mais Robtek, fais quelque chose. Essaye de le calmer. Je sais pas, moi, parle-lui. Hein. Fais un truc. Ok, tu sais quoi, toi, Sim Spooky, tu restes là. Moi, je vais essayer d'aller le voir. Je vais essayer de le calmer. Mais je te garantis rien. Ok, tu bouges pas. Hein. Ok, vas-y. Je t'attends ici. Ok, bon, bah, je vais quand même aller voir son jumeau démoniaque. Et, attendez, regardez par la fenêtre. Oh, il est là. Regardez. Oh, c'est une dinguerie. Oh non, là, les gars, c'est une dinguerie, frère. Oh, je crois que là, Sim Spooky, il est foutu, hein. Il est vraiment, vraiment foutu, là, gros. Bon, je vais essayer, on va quand même essayer. Qui ne tente rien à rien, gros. Allez, let's go. Allez, on rentre. Les gars, oh, il est là. Hé, toi, là. Il est où? Calme-toi. Hé, déjà, calme-toi. Je veux négocier, je veux essayer de négocier. Non, avec moi, il y aura zéro négociation. Pourquoi? Ok, et il est où ton frère là? Il est où? Simon, c'est ça, hein? Je te dirai pas. Si, non, tu vas me le dire. Viens là. Mais on peut négocier. Non, il y a zéro négociation. Tu vas me dire tout de suite où il est. Dis-le-moi. Calme, gros. Non. Je vais te dire, calme-toi. Ok, il est au jardin, c'est bon là, Jean. Ah ouais, au jardin? Oui. J'espère que c'est vrai, hein. Oui. Sinon, tu vas avoir affaire à moi. Oui. Ok, calme. Non. Viens à toi, ok. Attendez, je crois que j'ai une idée. Je peux carrément aller ouvrir la fenêtre de ma chambre. Je vais essayer de faire rentrer Sim Spooky par la fenêtre. Ah ouais, regardez, ma chambre, la fenêtre. Ok, j'ouvre. Ok. Hé, Sim Spooky. Sim Spooky, t'es où? Sim Spooky, viens. Mec, viens. Il m'a retrouvé, gros. Rentre vite, rentre par là. Wow. Mec, c'est trop une dinguerie. Regarde là, il m'a suivi. Oh non. Vite. Non. Et on ferme. Oh, il est vénère, gros. Oh, mec, on a eu chaud, j'ai eu carrément la peur de ma vie. Allez, viens, on retourne au salon, là. On paniquait, là. Ça va, t'inquiète pas, Sim Spooky. Allez, on fait plus ça du tout, hein. Ça y est, on arrête ça, hein. De toute façon, ça y est, il est hors de la maison. Tous les volets, toutes les fenêtres, toutes les portes sont bouclées. On est sorti d'affaire, c'est bon. On craint rien du tout, maintenant. Allez, prends ma main. Allez. Oh là. Mais tu nous mets tout le temps dans de sales affaires, toi, hein. Ça y est, maintenant, on arrête ce genre de choses, hein. C'est fini, ok? Comment ça va la famille? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et pour un tout nouveau challenge 3h du matin. Et oui les gars, aujourd'hui, j'ai comme une petite envie de contacter mon jumeau démoniaque. Et oui, c'est quelque chose que j'avais fait la semaine dernière, vous avez plutôt bien kiffé. C'était une expérience très spéciale. Et puis hop, oh bah Spooky, tiens, t'es là, tu tombes bien toi, ça va tranquille? Tu passes une bonne petite soirée? Bah ouais, moi ça va tranquille, je chill devant la télé, tu vois. Eh, en plus, regarde, je suis en train de regarder tes vidéos, Robtek. Ah ouais, mais c'est vrai ça. Non, franchement, je me régale tranquille. Et puis toi, tu fais quoi là en fait? Eh bien moi, tu sais quoi, j'ai eu carrément l'idée de contacter mon jumeau démoniaque. Et puis attends, toi aussi on pourrait contacter ton jumeau démoniaque. Eh, ça te tente ou pas là? Ça te parle? Bah ouais, mais t'es sûr que ça pourrait fonctionner sur moi? Eh bien figure-toi que oui. Et puis de toute façon, on n'a qu'à essayer. Mais normalement, je dis bien normalement, tout le monde peut contacter son jumeau démoniaque du temps qu'il est 3h du matin. C'est juste la seule condition en fait, hein. Bah ouais, franchement, je suis trop chaud. Mais par contre, comment est-ce qu'il faut faire pour contacter son jumeau démoniaque? Bah en fait c'est trop facile. T'as tout simplement qu'à contacter ton propre numéro de téléphone à 3h du matin. Et oui, ça c'est très important. Et puis normalement tu devrais carrément entrer en contact avec ton jumeau complètement démoniaque. Oh, c'est aussi simple que ça? Oh bah franchement, peut-être là je suis partante, hein. Eh vas-y, on commence. Mais oui, bah bien sûr qu'on peut déjà commencer, parce que regardez, il est déjà actuellement 3h du matin. Oui. Et donc ça veut dire que tous les éléments sont réunis. Et attends, peut-être j'ai une question là. Si c'est pas moi qui réponds au téléphone,
téléphone et qui répond au message. C'est qui répondra à ma place? Eh bien, ça peut que être ton jumeau démoniaque. Ça veut dire c'est toi-même, mais en démoniaque. On va essayer et tu vas voir. Et on va commencer doucement tout d'abord. On va envoyer des messages, ok? Ok, on va voir si ça va répondre déjà. Ok, ok. C'est stressant, franchement, c'est stressant, les gars. Eh, avant qu'on commence à faire quoi que ce soit déjà, on s'abonne, on met un petit commentaire qui fait plaisir. Voilà, allez, on y va? T'es prête ou pas? Allez, allez, let's go, c'est parti. Mais attends, Optek, parce que là, je sais pas quoi envoyer comme premier message et ça me fait stresser. Ok, ok, tu prends pas la tête, tu t'envoies bonjour, bonjour, voilà, c'est terminé. Plutôt bonsoir quand même, parce qu'il est quand même 3h du matin là, non? Oui, oui, c'est vrai, il est soir, il est l'heure de 3h du matin. Bon, vas-y, écris bonsoir, voilà, te prends pas la tête et tu envoies. Oh, ok, ok, ça y est, ça y est. Il a répondu ou pas? Non, 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 pas encore. Ça répond pas. Bon, vous savez quoi? On vous reprend directement quand ça répond, parce que je crois que ça va être un petit peu long là. Ouais, 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 ouais. Allez, à tout de suite. A few moments later. Oh, bah je crois qu'en fait mon jumeau démoniaque il s'en fout de moi. Je sais pas, franchement je sais pas, c'est vrai que ça répond pas, ça ne répond pas. Peut-être on voit le message, peut-être ça a bugué. J'espère que ça va répondre, j'espère que ça va répondre quand même là. Écoute, au pire des cas, si toi de ton côté ça fonctionne pas, moi je vais essayer. À mon avis ça devrait fonctionner. Non, ça répond pas, ça veut pas répondre. Écoute, tu sais quoi, on va essayer d'appeler en FaceTime. Essaye de déclencher un appel en FaceTime et puis voilà, on verra bien, non? Ok, ok, bon bah j'appelle directement en FaceTime. Regardez ça, regardez ça. Aïe 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 aïe, là c'est du sérieux, là c'est du sérieux. Mais ouais, non mais ouais, là ça rigole pas les gars. C'est un vrai appel en FaceTime. Là, tu vas savoir tout de suite si ça va répondre ou pas. On va savoir tout de suite si ça fonctionne ou pas en tout cas. Hein. Eh franchement j'espère que ça va répondre, sinon c'est pas drôle quoi. Attends, je crois que ça répond pas hein. Non, non ça veut pas échouer. Ça a franchement échoué. Mais écoute, tu sais quoi? On va pas se prendre la tête et on va passer à mon tour. Oui, ça va être à mon tour cette fois. On va pas perdre de temps. J'ai pas envie de perdre de temps, moi je vous le dis pour cette vidéo. J'ai envie de passer à l'action moi. Je l'appelle en FaceTime hein. Oh bah ouais, vas-y, essaye hein. Pourquoi pas? Ouais, let's go. Et bah oui les gars. Les gars, c'est du sérieux, regardez. Là, c'est du très 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 sérieux. Je viens de déclencher un appel en FaceTime. Faut se préparer mentalement les gars. Attends. Oh, ok, ça a répondu. Ça a répondu. Bah oui. Oh. Oui, ça a répondu. Écoute, allô. Allô? Comme si que ça faisait pas très très longtemps qu'on s'était déjà appelé. Oh oui, 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 c'est vrai. Tu m'as manqué. Je t'aime tellement. Oui, 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 je t'aime tellement. Attends, de quoi? Je t'ai manqué? C'est si mignon ça. J'espère que tu vas bien en tout cas. Oui, j'espère que tu vas bien. Ça va très très bien. Mais toi, je pense que ça va pas aller pour longtemps. Quoi? Pourquoi? Assassiné. Quoi? Mais oui. Je dois t'assassiner. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui te prend là? Pourquoi tu veux m'assassiner? Eh oui. Attends. Quoi? Oui, yes. Pour que je puisse voir son sang. C'est toi, c'est ton jumeau démoniaque, Léa. Ouais, mais. On va se les faire. T'entends ce qu'elle dit? On va les tuer. On va vous trouver. Quoi? Eh, c'est mon jumeau démoniaque. Oui, est-ce que oui. Tu penses qu'on peut leur dire de venir jusqu'à la maison? Waouh, c'est un peu dangereux ça, non? C'est un peu dangereux ça. Ouais, je pense, mais franchement, je suis trop curieuse. Est-ce que vous pouvez venir? Est-ce que vous pouvez venir là ce soir? Oui, on va venir. On va venir. On arrive tout de suite. On va venir. Oh, attends. C'est un peu dangereux, non? Ouais, j'avoue que ça a raccroché. Les gars, je vous jure, ça a raccroché. Mais attends, Rob, ils vont vraiment venir là? Bah oui, je crois qu'ils vont vraiment venir. Mais attends, comment est-ce qu'ils peuvent venir? Ils ont même pas notre adresse, c'est impossible. Yaya, figure-toi que c'est nos jumeaux démoniaques. Alors je peux te dire que ils peuvent carrément venir ici sans problème, à mon avis, hein. À l'heure de 3h du matin, hein, ça m'étonnerait même pas, quoi. Attends, là je pense qu'il va falloir quand même prendre des dispositions parce qu'on sait pas forcément ce qui peut se passer. Hein. Alors, Optek, je t'avoue que tu m'as embarqué dans une sale histoire là. Non. Ça va, faut pas stresser, faut juste pas trop stresser. Ils sont déjà là. Ouais, ça a sonné. Ouais, ça vient de sonner. La sonnette, elle vient de retentir quoi. Yaya, tu vas voir. Non, toi, vas-y, tu vas y aller. C'est toi. Oh, non, mais toujours les sales corvées. Allez, vas-y. Ok, j'y vais. Allez, viens par là. J'ai trop peur. Allez, va ouvrir la porte pour voir. Viens. Vas-y. Attends, mais comment est-ce qu'ils ont fait pour venir aussi rapidement? Je comprends pas. Franchement, c'est pas étonnant. Allez, ouvre la porte, vas-y. Ok, j'y vais. Mais attends, avant que j'ouvre la porte, là, je te rappelle qu'ils étaient très menaçants au téléphone. C'était terrifiant. C'est vrai, vas-y, ouvre la porte. Vas-y, Ok, j'ouvre. Non, vas-y. Approchez. C'est mon jugement démoniaque. C'est Yaspooky démoniaque. Venez me voir, venez par ici. Viens par là. Oh, c'est mon démoniaque. Non, 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 non
non, cette fois c'était toi, mais en démoniaque. Et c'est trop flippant, c'est trop flippant. Ouais, cette fois c'était moi. Mais il a apparu dans la maison carrément. Attends, il a fermé la porte. Mais on peut plus ouvrir. Il a carrément verrouillé la porte là. Mais non, peut-être qu'on est bloqué dehors, Comment est-ce qu'on va faire là? Ton jumeau démoniaque, il était là, et il était juste là, hein. Oh non, mon jumeau démoniaque a disparu. Mais attends, mais t'es sûr qu'on peut pas rentrer dans la maison là? Vas-y, essaye pour voir. Non, on est bloqué, Robtek, on est bloqué. Donc là, maintenant, la porte d'entrée est verrouillée. Je crois qu'on va devoir passer par l'arrière-cour. Mais oui, par le jardin plutôt. Eh bah ouais, bah suis-moi, Robtek, il faut qu'on fasse le tour pour rentrer dans la maison. Allez, viens, vas-y, par ici. Eh, franchement, là, on n'a pas le choix, on est obligé de rentrer du côté du jardin. Eh, mais par contre, faut qu'on fasse attention avant de rentrer, ok? Faut qu'on soit vigilant, ok? Attends, Robtek, il y a un gros problème là. Regarde par la fenêtre, il y a un gros problème là. Ils sont là. Ils sont là, les gars. Regardez ça. Tout se passe en plein milieu du salon, c'est horrible. Oh non. Eh, je crois qu'ils sont pas là pour rigoler, hein. Eh ouais. Ils sont armés. Eh, Yaya, regarde, ils sont armés, ils sont équipés. Ah ouais, ils sont vraiment pas là pour rigoler, tu vois ça? Ah ouais, j'avoue, franchement, c'est terrifiant là. Attends, viens, regarde du côté de la porte-fenêtre. Viens, vas-y, regarde. T'as raison. Non, mais regarde, ça. Eh ouais, ils sont carrément en plein milieu du salon, ils sont déterminés, hein. Eh ouais. Franchement, Robtek, comment est-ce qu'on va faire pour gérer la situation? C'est ça le problème. Je crois qu'on va pas pouvoir rentrer dans la maison en fait là, non? Non, c'est pas possible. Alors là, c'est pas possible. Là, je crois qu'on va jamais pouvoir rentrer dans la maison. Oh non, comment on va faire, Yaya? Attends, Robtek. Je crois que c'est le moment de rentrer. Ils sont partis de l'autre côté du salon, dans le couloir. Mais t'es sûr que c'est une bonne idée là? Oui, je te jure, Robtek, c'est le moment de rentrer. Il faut qu'on y aille là. Bah vas-y, on va en profiter. Vas-y, ouvre la porte. Vas-y, viens. Alors attends, il y a ce Spooky là, faut se cacher. Bah oui, faut se cacher quelque part, je sais pas moi. Sous la table, derrière le meuble télé peut-être, non? Non, là derrière le canapé. Ok, vas-y, je te suis. Viens, viens. Cache-toi. Chut, pas de bruit. Regarde, ils sont juste là-bas. Oh ouais, non, ouais, c'est vraiment de retour. Ne fais pas de bruit. Je crois qu'il m'a vu. Oh mon dieu. Ouais non, ils nous ont trouvés. Oui, je pense qu'il va falloir que je me cache à la cuisine. Chut, regardez, il arrive. J'arrive. Tu vas pas vouloir aller bien loin. Tu vas pas pouvoir. J'arrive. Ok, j'ai pas le choix, j'ai pas d'autre choix de me cacher quelque part dans la cuisine. Où est-ce que je peux me cacher? Vite, juste là. Je me suis caché, il est là. Tu vas pas pouvoir aller bien loin. Où es-tu? Où te caches-tu? Franchement, bonne cachette. Franchement, t'as bien dû te cacher quelque part, mais je vais te trouver. Bah, il me cherche de partout. Oh non, attends, je stresse à fond là, les gars, désolé, je stresse. Oh, non. Je vais bien finir par te trouver, hein. C'est soit tu sors de ta cachette de toi-même, ou soit je vais te trouver. Ah oui, je vais te trouver. Où es-tu? Oh, il m'a pas vu, il m'a pas trouvé. Je sais pas comment est-ce que c'est possible, mais j'ai de la chance. Je crois que j'ai eu de la chance. Il est remonté jusqu'au salon. Oh non, c'est pas possible. Comment est-ce qu'on va se sortir de cette situation? Et puis, oh non, où est Yaspooky? J'espère qu'elle a juste eu le temps de se cacher quelque part, hein. Et vous savez quoi? Je vais remonter. On va remonter, les gars. Faut que j'essaie de trouver Yaspooky. Faut que j'essaie de la retrouver. Attendez, regardez là. Oh, ils sont encore là, tous les deux, là. Oh là, ça va être difficile. On va les retrouver, c'est une façon, on va les retrouver. Eh ben, on va se les faire, ceux-là. Vous savez quoi? Je vais monter tout en haut à l'étage. Va falloir que j'essaye de passer discretos. Allez, j'y vais. Ok, j'ai réussi. Ça va, j'ai réussi à me grimper déjà jusqu'à l'étage. Et faudrait que j'essaye de trouver Yaya maintenant, moi. Attendez, peut-être les toilettes, non? Oui, les toilettes. Oh, Rob, Yaya, trop peur, là.
Ouais, tu m'as fait stresser de fou la robe tech. Mais toi, ça va, toi, ça va ou pas là? Bah ouais, franchement, moi je prends aucun risque depuis tout à l'heure, je suis cachée dans les toilettes quoi. Écoute Yaya, c'est plus possible, c'est plus possible. Ça peut pas continuer comme ça, ça peut plus durer, t'es d'accord? Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, c'est plus possible. En vrai, faut bien faire quelque chose, mais tu veux qu'on fasse quoi là? Bah écoute, il faudrait les éliminer. Oui, faudrait carrément les éliminer. Je sais pas comment est-ce qu'on peut faire, mais faut les éliminer, voilà. Hein, quoi? Mais t'es complètement taré la robe tech? Non, 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 c'est pas possible, c'est pas possible. Si, bien sûr que si, bien sûr que c'est possible. De toute façon, c'est la seule solution. Non, moi j'ai une autre solution, c'est de s'enfuir de cette maison là, c'est pas possible. Non, non, on peut pas s'enfuir. Ouais, mais tu veux faire comment alors, hein? Bah écoute, on va les éliminer, on va les éliminer, moi je te le dis. Eh, hey, Spooky, fais-moi confiance. Allez, tu me suis, tu te dépêches. Oh, ok, chut, je te dis, bah, eh les gars, la seule façon de s'en débarrasser, c'est de les éliminer. Y'a que ça à faire normalement. Regarde, regarde, c'est mon démon, c'est mon démon démoniaque. Ouais, c'est toi, la Spooky, c'est ton jumeau démoniaque. Ouais, ouais. Moi je m'y approche pas, hein. c'est pas possible, hein. je peux pas. Mais Yaspooky, c'est pas compliqué. Du temps que ton jumeau démoniaque se retrouve tout seul, et bah pour le coup, on peut essayer de l'éliminer, c'est facile. Ok Yaspooky, garde la caméra et tu me suis, ok? Tu me suis. Je vais essayer de l'éliminer, viens, viens, je vais essayer de le prendre par derrière et de lui mettre un coup dans la nuque. Viens. Chut. Oh, regarde. Oh, mec, du premier coup, t'as vu ça, Yaya? Eh, bon bah ça fait un de moins, non? C'est déjà pas mal quand même, hein? Eh, franchement, Rob Tech, t'as assuré, là. Franchement, t'as fait le plus gros du boulot. Eh, en vrai, moi, je pense que je me sens capable d'éliminer ton jumeau démoniaque. Eh, on devrait le trouver assez facilement. Eh, ça va pas être compliqué à trouver. Eh, viens par là. Eh, je pense qu'il est... Ah, oh, regarde, dehors, il y a de la lumière. Eh, viens, je crois qu'il est parti dehors. Eh, franchement, on va se le faire, là. Eh, j'en peux plus, là, de cette situation. Eh, viens par là. Eh, fais attention, vas-y, doucement, vas-y, doucement. Juste là. Où êtes-vous? Ok, viens par là. Eh, faut pas se rater, hein. Fais attention, Yaya. J'espère qu'il va pas se retourner, qu'il va pas me voir, là. Sinon, je suis foutu. Allez, j'y vais. Waouh. Ok. Oh, oui, je crois que j'ai réussi. Ça y est, le boulot est terminé, on en a fini avec nos jumeaux démoniaques. Eh, franchement, j'en pouvais plus, là, ça commence à partir trop loin, hein. Oh, ouais, alors là, franchement, Yaspooky, je veux quand même te dire que tu m'as impressionné. Oui, viens, rentrons tranquillement maintenant dans la maison. Et oui, là, ça y est, la liberté est à nous, les gars. Et oui, ça y est, on les a éliminés. Franchement, GG. Check ça. Là, franchement, on peut que se féliciter, les gars. Bah oui. Ouais, franchement, ce soir, c'était pas une tâche facile, mais quand même, on s'en est bien sorti, hein. Oh. Oui, on s'en est plus que bien sorti, je veux dire. C'était quand même quelque chose de très très fun à faire, mais c'était aussi quand même quelque chose de très très dangereux, hein. Tu peux le dire, ça, Yaspooky. Eh ouais, franchement, c'est très dangereux, les gars. Et surtout, ne reproduisez pas ça à la maison, les gars. Ne prenez pas de risques. La seule chose que je vous demande de faire, les gars, maintenant, c'est de mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo, hein. Oui, ça fait plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est toujours pas déjà fait. Hey, comment ça va la famille? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau challenge 3h du matin. Et je crois que c'est d'ailleurs le challenge le plus terrifiant que j'ai jamais encore pu faire sur la chaîne YouTube, les gars. Et oui, bon, je vous explique, c'est très très simple en fait. Je vais appeler mon propre numéro de téléphone à 3h du matin. Et oui, vous avez très bien entendu. Ça peut paraître complètement absurde, mais pour le coup, je vais réellement appeler mon propre numéro de téléphone à 3h du matin pour voir bien si ça va répondre comme ça, voir si ça va décrocher tout seul ou... Enfin, je veux vous dire que je vais appeler quand même mon propre numéro de téléphone, donc je peux pas répondre à moi-même, vous comprenez ou pas? En tout cas, vu qu'il est actuellement 3h du matin, les gars, oui, et vous le savez, hein, 3h du matin, c'est l'heure où tous les démons se réveillent dans la maison et on dit que c'est l'heure du diable, donc voilà, c'est ça le pire. En tout cas, moi, je vous le dis, hein, en fouillant un petit peu internet, j'ai retrouvé des personnes qui ont réalisé ce challenge à 3h du matin et ça a vraiment répondu. Et ils ont donc été confrontés à leur jumeau démoniaque. Oui. Non mais bon, en tout cas, moi j'ai bien envie de tester et voir ce qui peut se passer. En tout cas, là, ça va être intéressant et on va bien voir si c'est vrai ou pas, les gars. Bon, avant de commencer à faire quoi que ce soit déjà, je veux vous annoncer que je suis en compagnie de mon gars Simspooky. Et yo tout le monde, ami, j'espère que vous allez bien. Alors là, maintenant, je vais vous demander de me mettre un maximum de pouces bleus pour ce challenge parce que oui, je vous l'ai dit, hein, c'est clairement le challenge le plus flippant que j'ai jamais encore pu faire sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube pour beaucoup plus
plus de challenges 3 heures du matin comme ça. Je sais que vous les aimez bien ceux-là. Alors bon, on va pas perdre plus de temps maintenant. Et ce que je propose, c'est qu'on appelle directement mon propre numéro de téléphone. Oh, Aeroptech, tu t'enflammes un peu trop là. Pour commencer doucement, moi je te conseille d'abord d'envoyer des messages à ton propre numéro. Et après, si tu veux, eh bien on essaiera d'appeler quoi, ok? Ok, oui, bon, c'est vrai que c'est Spooky, t'as raison. Vaut mieux commencer doucement. Alors maintenant, pour effectuer ce challenge, j'ai donc dû ajouter mon propre numéro de téléphone à mon contact. Et regardez ce que ça donne. Regarde un peu ce que ça donne, Sim Spooky. Regarde ma tête. Point.exe. Et ouais, Benjamin.exe. Bon, bah, je veux quand même vous rappeler que mon propre prénom c'est Benjamin, du coup. Mais est-ce que pourquoi ça rajoute point.exe comme ça? C'est bizarre ça. Bon, vas-y, tu sais quoi, je vais cliquer directement sur les messages. Et je vais sans plus attendre directement m'envoyer un propre message à moi-même. Bon, bah, je vais dire bonjour. Hein. Bonjour, c'est bien. Bonjour. Hein. Allez, j'écris bonjour. Hein. Voilà. Vous voyez, tous les messages s'affichent là, les gars. Vous voyez tout. Là maintenant, j'attends juste qu'une chose, c'est que ça réponde. Peut-être que ça va répondre, on sait pas, les gars. Hein. Non. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Gros, mec, c'est en train d'écrire, c'est actuellement en train d'écrire là. Vas-y, montre. Tu sais, ça met le logo quand ça écrit là, tu vois. Mais c'est qui est en train de répondre à ma place? Non, mais je te jure que je comprends pas. Mais je comprends vraiment, vraiment pas là, gros. Aïe. Je pense que là, on est vraiment, vraiment pas au bout de nos surprises. Et... Vous voyez ça? Ça vient de répondre. Bonjour Benjamin, j'attendais ton message avec impatience. Mais non, mais c'est moi Benjamin, mais je comprends pas gros. Attendez, je vais m'asseoir. Oui, faut que je m'assoie sur le canapé. Attendez, non, là c'est pas normal. Là, oui, non mais c'est pas normal du tout ça. Je veux bien savoir qui c'est qui essaye d'imiter mon identité. Non. Qui es-tu? Ouais, je vais dire qui es-tu. Ah oui hein. Ouais, ok, voilà. Bon, voilà, vous voyez tout, les gars, vous voyez tous les messages, donc moi j'ai rien à dire maintenant. Regardez, c'est en train d'écrire. Non, mais attendez, mais c'est pas croyable, mais les gars, je suis en train de parler à moi-même. Non, mais c'est ouf, je veux vous dire que c'est complètement ouf, les gars. Oh là 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 là, je savais que ce challenge allait être spécial, les gars. Ok, bon, on va attendre la réponse. Bah oui, on a qu'à attendre la réponse maintenant. Ah bah ça y est, ça a répondu, c'est moi Benjamin. Mais non, mais c'est pas possible. Non mais en vrai je rigole, mais c'est pas drôle. Mais non, c'est pas drôle, ça me fait flipper même. Oh non mais c'est pas possible, je vais me fâcher. Oh non, mais je le crois pas. Non, je te ne crois pas. Oui, je crois pas à ça moi. Hein. Hey, Sim Spooky, on peut pas croire à ça. Hein. C'est pas possible. Non, je crois pas du tout moi. Ah non, c'est bon, ouais, allez. Hein. Ah non, je ne te crois pas. C'est clairement ce que je lui ai envoyé. Bah, vous voyez tous les messages de toute façon les gars. Mais si c'est moi Benjamin. Oh mais non, mais ça y est frère, c'est pas possible. Bon, hey, Sim Spooky, on fait quoi là maintenant hein? Comment est-ce qu'on peut débloquer la situation? Comment on peut faire là? T'as une idée ou pas là? Tu devrais lui poser une question sur toi-même, du genre quelle est ta couleur préférée, quelque chose comme ça. Ouais, ah bah ouais, t'as raison, ah bah oui, c'est vrai ça. Bah du coup, c'est quoi ta couleur préférée? Moi ma couleur préférée, c'est la couleur verte. Bah du coup, on va voir s'il va répondre la même chose. Bah oui. Alors ok, je vais lui poser la question là. Quelle est ta couleur préférée? Et c'est tout beau les gars. On va voir ce qu'il va répondre. Hein. En tout cas, ça c'est une bonne question piège. Hein. Bonne idée Sim Spooky. Hein. Alors ok, il est en train d'écrire. J'ai bien hâte de voir la réponse. Et ma couleur préférée est le vert. Quoi? Attends, comment c'est possible ça alors? Attends, mais comment tu l'expliques ça, Sim Spooky, maintenant, hein? Bah là, ça part vraiment, c'est chelou ton truc, ouais, là. Ouais, c'est chelou, oui, là, ça commence à partir un peu en bizarre, les gars, je vous avoue. Peut-être que c'est le hasard, peut-être qu'il y a un coup de chance, tu sais, ça peut arriver. Attends, une autre question, t'as pas une autre question piège, Sim Spooky, là, hein? Je sais pas, quel est ton plat préféré? Vas-y, demande-lui ouais, ça, vas-y. Plat préféré, moi, les gars, mon plat préféré, c'est les pâtes bolognaises, ouais. Voilà, là, c'est bon, c'est envoyé. Bon, là, c'est bon, hein. Je veux bien croire que la question précédente, c'était peut-être du hasard, mais là, en tout cas. Il peut pas y avoir de hasard, hein. Allez, j'ai bien hâte de recevoir la réponse là maintenant. Et oh, ça a répondu. Mon plat préféré est les pâtes à la bolognaise. Quoi? Gros, c'est quoi le délire là? Attends, non mais. Mais je veux pas le croire. Non, je te crois pas. Ouais, je vais lui écrire que je le crois pas. Je crois pas à ça, moi. Mais attends, mais comment tu l'expliques ça, Sim Spooky là maintenant? Ça fait beaucoup, non? C'est pas du tout là. Quoi? Ça commence à être chelou, non? Et attends, bon bah tu sais quoi? On va demander la preuve ultime et je vais lui demander un appel en FaceTime. Regardez, on peut carrément déclencher un appel en FaceTime là. Je clique là, Sim Spooky. Allez, je clique. C'est bon. Les gars, là j'ai vraiment donc déclenché un appel en FaceTime. Waouh, j'ai peur. Je t'avoue, j'ai un peu peur, hein. Allez, j'espère que ça va. Ça a répondu? Mec, attends, ça a répondu. Oui, ça a répondu. Regarde, gros, c'est quoi le délire là? Allô? Bonjour, mais attends, mais. Eh, hey, Sim Spooky, c'est moi. C'est moi là? J'ai bien vu. Tu vois quoi? C'est moi là? Je suis toi. Oui, je suis tout
comme toi. Mais attends, non, c'est pas possible. T'es pas moi. Que je le veuille ou non, je suis comme toi. Quoi? Mais non, c'est pas possible. Tu peux pas être comme moi. C'est moi, je suis le vrai, c'est moi le vrai, non? Attends, tiens, question piège. Comment tu t'appelles? Comment je m'appelle plutôt, hein? Je m'appelle Benjamin. Quoi? Je crois que c'est vraiment moi. C'est moi, mec. C'est quoi le délire? Attends, deuxième question là, comme ça, rapide. Quelle est ma couleur préférée? Vas-y, réponds là pour voir, hein? Ma couleur préférée, c'est la couleur verte. Quoi? Attends, mais c'est quoi le délire? Attends, ah bah alors, j'ai d'autres questions. Allez, petite question là, comme ça. Qu'est-ce que je fais moi là dans la vie de tous les jours, hein? Qu'est-ce que je fais, hein? Je fais quoi? Vas-y, réponds. Ah, réponds, hein? Oui, je fais quoi, des oui vidéos sur YouTube. Quoi? Hein? Non, mais attends, mec. Mais c'est tout comme moi. Attends, petite question là, comme ça, ouais. Comment elle s'appelle ma chaîne YouTube? Hein, vas-y, comment ça s'appelle? Elle s'appelle RobTech. Oui, elle s'appelle RobTech, ma chaîne YouTube. Ça part loin là, Sim Spooky, on fait quoi là? Attends, mais ça veut dire que t'es vraiment moi en fait. Attends, j'ai encore une question, j'ai encore plein d'autres questions. Attends, j'ai une idée, oui, j'ai une idée. Là j'ai une question piège, c'est impossible. Oui, là c'est impossible, là je vais te piéger, tu vas voir. Attends, combien est-ce que j'ai de vidéos sur ma chaîne YouTube? Oui, sur ma chaîne YouTube à moi là, hein, vas-y réponds. Sur ma chaîne YouTube à moi? Non, ma chaîne YouTube à moi. Sur ma chaîne YouTube à moi? Non. Je crois que je dois avoir 337 vidéos. Oui. Attends, il a dit combien, Sim Spooky? 337 vidéos, il a dit. Est-ce que c'est vraiment ça ou pas? Attends, bah, oui, je vais vérifier. Vas-y, vérifie quand même, vas-y. On va vérifier ensemble, les gars. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, j'ai 337 vidéos. Il sait tout de moi, c'est tout comme moi, en fait. C'est moi, c'est ma deuxième version, c'est mon jumeau, je sais pas. Les gars, si vous avez une explication à tout ça, dites-le moi dans les commentaires, là, ça me fait flipper. Tu peux venir à la maison, là, tout de suite. C'est quoi l'adresse? Vas-y, c'est quoi notre adresse? Oui, je peux. Nous habitons au... Il connaît notre adresse, il va venir, ça veut dire qu'il peut venir, tu peux venir? Pour te prouver que je suis tout comme toi, je peux venir là maintenant. Oui, maintenant, tout de suite là. J'arrive. Sérieux? Quoi? Attends, il va venir, gros. Attends, ah, waouh, c'est une dinguerie. Attends, là, c'est une dinguerie, les gars. Là, je suis complètement dépassé face à la situation, Sim Spooky. T'as peut-être quelque chose à dire, toi, non? Attends, mais moi, ce que je veux dire, c'est que, à mon avis, ça doit être ton jumeau démoniaque, quoi. T'as déjà entendu à sa voix, déjà, sa voix est vraiment pas normale. C'est vraiment trop une dinguerie, là. Et puis, là, ça veut dire qu'il va bientôt arriver, là, non? Ah ouais, c'est ça, il a dit qu'il allait venir jusqu'à la maison, là. Et puis, il a bien énoncé toute notre adresse. Donc, là, on est bel et bien sûr qu'il va faire son arrivé là ce soir et... Oh, t'as entendu? Eh ben ouais, bien sûr que je viens d'entendre là. Et si c'est vraiment ta version démoniaque là? Eh, tu sais quoi là? Moi je prends mes précautions, je prends la batte, on sait jamais, ça peut partir vraiment loin cette histoire, ok? Allez, viens, on va ouvrir la porte, on va voir ce qui s'y passe là. Ok, oh, vas-y, Sim Spooky, let's go, je te suis, vas-y. Allez, viens, suis-moi. Je te suis. Oh là, franchement, ça me fait peur là, ton truc comme ça. Fais attention quand tu ouvres la porte. Vas-y, okay. Attends, t'es prêt? Vas-y, laisse-moi clencher. Vas-y, ouvre la porte. T'es prêt? 3, 2, 1. Attends, je vais allumer la lumière. Y'a personne. Mais quoi, comment ça, y'a personne? C'est bizarre, ça a bien sonné en plus. Eh oh, y'a quelqu'un? Eh oh. Tu vois quelque chose, toi? Non, mec, je vois rien du tout, c'est trop bizarre. Attends, Sim Spooky, c'est chelou, attends, moi je le sens pas. Viens, on rentre. Viens, on rentre. Allez, viens, on rentre. Ferme la porte. Il est froid, mec. Referme la porte d'ailleurs. Viens, Sim Spooky, on remonte. Viens, on remonte au salon. Eh non, je le sens pas du tout, moi. Je le sens vraiment pas, quoi. Attends, c'était quoi ce bruit là? Je sais pas, regarde la porte, elle est ouverte. Regarde. Oula, c'est vraiment bizarre. Évidemment, on va regarder, on va jeter un œil. Vas-y. Prépare-toi, prends ta batte, ok? Ouais, t'inquiète pas. Y'a quelqu'un? Eh oh! C'est bizarre, c'est vraiment bizarre là. J'ose même pas approcher plus. T'as la batte, t'es tout équipé. Vas-y, allez! Ouais, ok, vas-y, j'y vais. Eh oh! Y'a quelqu'un? Mais y'a personne là. Oh, étrange, ça commence vraiment à devenir bizarre là. Non, là il se passe quelque chose de trop chelou là. Et bien, on rentre. Oh, attends. Oh, quoi? Regarde là. Ah, Benjamin. Benjamin.
Ça y est, il est là. Il est là, gros. C'est mon clone, c'est mon démon. Mais oui, attends, c'est trop vite. Viens, on va rejeter un œil. Là-bas, regarde. Je vais te trouver. Mais je crois que c'est toi en démoniaque, là, en point exé. Fais gaffe. Ouais, non, c'est une dinguerie. Attends, non, mais là, ouais, ça veut dire que c'est vraiment, vraiment sérieux. Et, oui, il faut que je fasse attention parce que je crois qu'il ne me veut pas du bien. Est-ce qu'on n'essayerait pas de le suivre? Allez, viens, on monte. Ouais, non, mais attention, faut faire attention. Non, mais c'est ma partie démoniaque. Il est dangereux, je t'inquiète pas, je suis équipé de la batte, il peut rien nous arriver. Allez, viens, là-bas. Par contre, vous y allez discretos, ok? Où est-ce qu'il est, en gros? Oh. Dégage, je l'ai trouvé! Ouais, il est là! Je vais te trouver! Je vais te faire la peau! T'es là! Je vais te trouver! Mais c'est trop fascinant, allez, viens, on se cache et on l'observe! Viens, vas-y, on se cache où? Là, juste derrière les chaises! Ici, en dessous là, de la table, ouais! Vas-y! Oh, regarde là, on le voit bien là, regarde là! Là-bas. Où es-tu? Allez, où te caches-tu? Allez, je vais te faire la peau. Ah, t'es où? Où es-tu? Oh. Non, mais il m'a l'air complètement fou. Enfin, il m'a l'air complètement énervé. Je crois qu'il est énervé contre moi-même. Oui. Mais c'est ça le pire. Je suis obligé de rester caché. C'est dangereux, non, Sim Spooky? Tu crois pas que c'est dangereux là? Mec, il est carrément en colère. Non, mais c'est toi en complètement fou et démoniaque, quoi. Mais regarde, je crois qu'il y a Spooky. Je crains le pire. Regarde là. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce rafu là? Et qu'est-ce qui se passe? Toi, viens. Mais c'est complètement fait attaquer par toi en démoniaque. C'est trop une dinguerie. Et moi je reste caché, hein. Non, attends, on peut en profiter. Je crois qu'il est monté à l'étage, donc on va quand même aller porter secours à Spooky, hein. T'es d'accord ou quoi? Allez, vas-y, viens, on va lui porter secours. De toute façon, j'ai la batte. Allez, c'est parti. Hey, Spooky, ça va? Ouais, Spooky, ça va. Hey, laisse-moi tranquille, toi. Hey, tu viens de m'attaquer comme un fou là. Hey, laisse-moi tranquille, me parle même pas. Mais c'est pas moi. Moi je suis le vrai. C'est pas du tout moi qui t'ai attaqué comme ça gratuitement. Non mais tu te fous de moi ou quoi? Tu vas me faire croire que t'as un jumeau maintenant. Laisse-moi tranquille. Non, c'est trop une dinguerie. Vas-y. En fait, je t'explique, il y a la version de Robtech, enfin de Benjamin de Boin Exé en démoniaque qui est venu dans la maison et c'est lui qui t'a attaqué. C'est le Robtech démoniaque qui t'a attaqué, c'est pas Robtech là, tu vois? Mais vraiment? Oui, bon, y a Spooky, on n'a pas forcément le temps de t'expliquer dans tous les détails, mais en attendant, il faut se cacher parce que il peut revenir. Je crois qu'il est remonté à l'étage, mais là il va sûrement redescendre. Allez, on va se cacher, dans ta chambre, vite là. Fermez la porte. Mais par contre, c'est super terrifiant ce qui se passe là. Je pensais que c'était vraiment toi qui m'avais attaqué. Mais non, figure-toi qu'il y a la version Robtech complètement possédée qui t'a attaqué. C'est pas lui, quoi, tu vois? Hé, les gars, y'a un problème. Ça pousse, la porte elle pousse. Tiens la porte. Il veut entrer. C'est dur. Non, ça va ouvrir. Oh non, c'est pas possible, il est super virulent. Mais je crois qu'il me veut du mal. C'est ça le pire, c'est qu'il me veut du mal. Heureusement que t'as bien verrouillé la porte, Sim Spooky, parce que je crois que sinon je serais foutu, moi. Et attendez, je crois qu'on peut carrément regarder à travers le trou là. Regarde là, c'est une bonne idée, hein. Vas-y, regarde. Je vais regarder. Oh non, mon dieu, mais non, mais regardez ça. Il est tout juste derrière la porte. Oh là, non mais. Oh, mais il fait peur, les gars. Mais c'est une dinguerie, enfin, je vous jure que c'est une dinguerie. Aïe, c'est terrifiant ce qui se passe. Bon, mais je crois bien que c'est le moment de s'arrêter là pour cette vidéo, hein. On va rester, je pense, enfermé ici un bon bout de temps en attendant que ça se calme, hein. Ouais, c'est une bonne idée, les gars, ou pas, hein? Ouais, franchement, là, c'est super terrifiant ce qui se passe, là. Ouais, je pense que c'est vraiment le mieux à faire. Allez, vas-y. Bon, les gars, je crois bien que c'est dès maintenant la fin de cette vidéo. J'espère tout de même que vous l'avez bien kiffé. En tout cas, pour ma part, ça m'a foutu une peur bleue, hein, je vous l'avoue. Et non, mais attends, moi, je veux dire qu'on pourrait aussi essayer de faire ça pour toi, Sim Spooky, hein.
Bonne idée ou pas? Attends, t'es sûr, après tout ce qui s'est passé là dans cette vidéo? Ok, c'est vrai que c'était très très éprouvant, alors je pense que si vous voulez qu'on recommence à vous faire ce genre de vidéo, mais cette fois avec Sim Spooky, oui, eh bien écrasez-nous la barre des pouces bleus et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont arriver. Et oui, ça peut être intéressant d'essayer avec Sim Spooky, les gars, oui. Allez, restez bien connectés, ça arrive très vite. Allez, on se laisse sur tout ça, plein de gros bisous. Allez, ciao!